ProbaYes, c'est une ancienne start-up, c'est une entreprise qui a aujourd'hui pratiquement 15 ans d'âge, qui est basée à Grenoble, la ville des Jeux Olympiques de 1900. La ville des Jeux Olympiques, plus près, ok. Des Jeux Olympiques de 1968, c'est une entreprise qui a été fondée par des chercheurs de laboratoires français et qui garde aujourd'hui beaucoup de liens avec les laboratoires académiques en France et aussi ailleurs en Europe, et qui travaille vraiment de près pour être capable, dans son domaine d'intervention, à savoir la data science, de continuer à innover. Aujourd'hui, ProbaYes, c'est 40, les slides de 20 à moi, donc c'est 48 personnes, principalement des ingénieurs, des docteurs en data science. Et pour vous donner une idée, le chiffre d'affaires prévu à la fin de cette année sera de 4 millions d'euros. ProbaYes est maintenant, donc depuis mai 2016, a été racheté par le groupe La Poste au sein de Mediapost Communication. Voilà, le métier de ProbaYes, là on va se rapprocher du sujet qu'on a abordé déjà depuis hier, c'est d'être capable de délivrer des solutions dans le domaine de la data science ou de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la robotique, à partir de l'expérience de ces ingénieurs et des laboratoires avec lesquels on travaille. Voilà. Donc là, juste pour résumer le fait, et je pense que c'est très important pour une entreprise comme la nôtre, mais aussi pour la Poste, c'est que ProbaYes, en fait, on se place. J'ai peur qu'il y ait un problème sur le PowerPoint qui passe en automatique. Voilà. ProbaYes est une entreprise qui travaille au sein d'un écosystème, principalement basé sur Rhône-Alpes en France, mais avec beaucoup de laboratoires, beaucoup d'institutions, de clusters, de pôles de compétitivité, et ce qui est extrêmement important aussi pour ne pas rester enfermé dans certaines problématiques et pour pouvoir récupérer de l'expertise d'ailleurs. Voilà, alors le sujet proprement dit, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Dans les années 90, on en parlait. Dans les années 2000, on n'en parlait plus. Puis il y a eu un film, je vais y arriver. Bon, aujourd'hui, ça reste quelque chose qui est extrêmement difficile à définir, et je ne vais pas essayer véritablement de la définir. Ne serait-ce que parce que, en fait, l'intelligence naturelle, à définir, ce n'est pas si simple pour nous. Mais on peut reprendre quelques idées. L'idée qui est dans une encyclopédie, c'est de dire que c'est une science qui a pour but de faire aux machines des tâches qu'aujourd'hui sont réalisées par les hommes par leur intelligence, donc ça renvoie à la définition de l'intelligence naturelle. Moi, je préfère la définir comme étant le fait de technologies informatiques qu'on commence à maîtriser, qui commencent à exister, mais qui n'existaient pas hier. Alors c'est une définition un petit peu paradoxale, mais ça vient à dire que si on se regarde un peu en arrière, en fait, on peut très bien considérer que Excel, quand il est arrivé, c'était déjà de l'intelligence artificielle. Alors, c'est juste pour dire, il n'y a pas de rupture, et finalement, toutes ces technologies amènent des choses, nous permettent de faire de nouvelles choses, et puis ça va continuer, et il n'y a pas véritablement à fantasmer autour de tout ça. Donc, l'intelligence artificielle, pour ProbaYes, c'est quoi? C'est principalement aujourd'hui trois domaines qui se mélangent, qui peuvent se combiner au service des applications, qui sont ce qu'on appelle le machine learning, que je mettrai proche de la data science, parce que ces deux domaines très proches, c'est la robotique autonome, et c'est toutes les problématiques d'optimisation. Qu'on appelait la recherche opérationnelle, ce qu'on appelle encore la recherche opérationnelle, c'est finalement d'être capable d'aller chercher parmi un énorme ensemble de solutions, quelle est la solution qui va amener le meilleur résultat. Et quand on est dans un univers incertain, quand on est dans un univers prédit, ben la combinaison des deux peut donner des résultats extrêmement intéressants. Deuxième élément dans votre approche, c'est le fait que dans les sources qu'on va utiliser pour réaliser nos applications, on va avoir en fait trois sortes d'entrées. Les données, bien sûr, dont on a parlé largement, les données internes à l'entreprise, les données des processus sur lesquels on travaille, mais aussi les données exogènes, bien sûr. Et on a l'expertise des gens du métier. Et cette dimension-là, elle a une importance énorme. On s'en rend compte depuis 15 ans, dans toutes les applications qu'on fait, on ne peut pas négliger
l'expertise des gens. Et donc on va utiliser toutes ces données, et notre propos, c'est à partir de là, de reconnaître les situations, de diagnostiquer, d'émettre une analyse causale, je dirais, de ces situations, quand c'est possible, d'essayer de prévoir l'avenir, d'automatiser et d'optimiser le processus de décision. Ce slide juste résume cette idée entre données et expertise, et extrêmement important dans notre démarche, je ne vais pas le détailler, mais c'est juste pour dire qu'il y a aujourd'hui, dans toutes les technologies dont on entend parler, toute une famille qui est basée véritablement sur l'analyse pure des données, à partir en fait au départ des méthodes statistiques et de l'énergie, et qui donne aujourd'hui lieu à des choses comme le deep learning, etc. Et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus, je dirais, voulant un peu imiter le raisonnement humain, ça a été les systèmes experts dans les années 90, tout ce qui tourne autour de la programmation logique. Et l'approche que nous essayons d'avoir chez nous, c'est de mélanger en fait ces deux approches à travers des technologies qui vont permettre d'exprimer à la fois l'expertise et de confirmer, compléter cette expertise à partir de l'analyse de données. Alors, ProbaYes est aujourd'hui dans toute la poste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour vous donner une idée du genre de choses que nous faisons, c'est notre ambition, c'est d'être à l'intérieur du groupe La Poste, avec les autres entités du groupe La Poste qui travaillent dans les domaines du big data, de la donnée, pour supporter les équipes dans l'ensemble de leurs projets. Nous avons aujourd'hui, donc, comme je vous disais, 45 ingénieurs. Bien sûr, un certain nombre de travail pour tous nos clients en dehors de La Poste, qu'on n'oublie pas et qui croissent aussi en nombre vu la croissance du marché, mais c'est d'être en proximité des équipes pour les accompagner dans tout le processus qui va permettre, au bout du compte, non seulement d'utiliser ou de tester ces technologies, mais de faire qu'elles apportent véritablement une valeur. Il y a beaucoup de projets dans notre domaine qu'on a vu, où on fait une étude, on fait un POC, etc. C'est intéressant, ça s'arrête là, ça passe pas dans une dimension véritablement opérationnelle. Pour nous, le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir suivre, aider les équipes par nos réalisations, par nos conseils, dans l'ensemble du processus. Donc, depuis l'aspect consulting, l'aspect preuve de concept, l'aspect prototypage industriel, industrialisation d'applications, l'aspect maintenance évolutive, qui est aussi extrêmement important dans ce domaine-là, puisque... L'aspect donc maintenance évolutive qui me paraît être une dimension extrêmement importante dans les projets de data science, puisqu'en fait, c'est véritablement une fois qu'un système est devenu opérationnel, qu'on va pouvoir l'enrichir, que la qualité des données va s'améliorer, qu'on va mieux comprendre les résultats, les retours des utilisateurs et des opérationnels qui l'utilisent. Et c'est très important de placer dès le début chaque projet dans une dynamique de progression continue. Et puis, bien sûr aussi, l'aspect qu'on peut faire à travers tous nos laboratoires partenaires de R&D pour essayer de travailler sur tous les sujets aujourd'hui très exploratoires. Alors, pour ProbaYes, La Poste, et je pense que c'est pour nous, quand je dis La Poste, c'est le groupe La Poste en France, mais vu ce que j'ai entendu depuis deux jours, je pense que c'est vraiment le cas un peu partout, c'est un terrain expérimental, vraiment désolé pour ces sept qui sont tout seuls, mais c'est un terrain expérimental extraordinaire, puisqu'en fait, dans tous les métiers dans lesquels on avait pu être amené avec nos clients à travailler, ben on va quasiment tous les retrouver dans La Poste. Bien sûr, toute la problématique logistique au départ, mais aussi les aspects, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, de détection de fraude, d'analyse de risque, de CRM, de véhicules autonomes, d'optimisation énergétique, etc. Voilà, donc juste pour repréciser un peu plus comment nous travaillons au sein du groupe La Poste, on est vraiment en liaison très forte avec d'autres problématiques qui sont extrêmement liées à notre métier, donc bien sûr toute la dimension big data et infrastructures qui permettent de gérer les big data, l'aspect hub digital pour pouvoir promouvoir l'utilisation de plus en plus massive des objets connectés, l'aspect gestion des données personnelles, donc tout le travail qui est fait aujourd'hui en France, par exemple, autour du coffre-fort de données personnelles, qui s'appelle DigiPost. Et puis un aspect extrêmement important, relié à des choses dont on a parlé ce matin, qui est la charte data, qui a été publiée par La Poste, c'est un hasard, mais à peu près en même temps que l'acquisition de ProbaYes,
et qui décrit de façon extrêmement rigoureuse et précise l'éthique que va prendre la Poste et comment elle va y arriver pour gérer les données de ses clients, gérer les données personnelles correctement. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important pour nous, et on l'a vu dans les débats de ce matin, qui risque de devenir de plus en plus important. Un dernier point pour dire, un projet de data science d'expérience depuis 16 ans, c'est effectivement la data science, mais ce qu'il faut savoir, et je pense que beaucoup d'entre vous s'en sont rendus compte, c'est que c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est énormément de travail avec les études métiers, j'en ai parlé. C'est beaucoup de travail autour de l'analyse de la sécurité des données, de la sécurité informatique du système, de l'éthique auquel on va, avec laquelle on va travailler ces données. C'est beaucoup de développement logiciel, indépendamment même des algorithmes de data science, pour faire marcher tout ça, bah, il faut aller lire dans les bases de données, il faut aller vérifier la qualité des données, il faut aller compléter les données manquantes, etc. Donc c'est souvent une grosse part des coûts de réalisation sont des coûts de développement logiciel. C'est bien sûr de l'infrastructure, du réseau informatique. 4 minutes. Bon, bah, je vais passer. Voilà, et c'est quand même un peu de science et d'algorithme. Alors juste très très rapidement, quelques exemples de réalisations qui ont été faites par ProbaYes pour le groupe La Poste. La première, je ne décris pas en détail, mais c'est un système d'optimisation énergétique de bâtiments tertiaires où il s'agit, avec des capteurs, d'apprendre le comportement thermique d'un bâtiment pour savoir comment il réagit à la fois au chauffage et aux conditions extérieures et à partir de là, d'optimiser les consignes de chauffage qu'on va donner à ces bâtiments. Le système installé aujourd'hui sur une trentaine de sites permet d'économiser à même niveau de confort entre 20 et 30% de combustible. Deuxième exemple très rapide, c'est la détection de fraude sur la vente à la carte bancaire. C'est quelque chose, un sujet sur lequel on travaille avec la banque postale depuis une dizaine d'années, qui est en cours d'extension dans ces applications, et qui va nous permettre de détecter des écarts dans le comportement d'une carte bancaire, c'est-à-dire en fait dans les transactions qui sont réalisées dessus, pour pouvoir lever des alarmes, voire bloquer les cartes. Alors c'est des choses qui existent déjà beaucoup, mais qu'on va faire là dans une approche vraiment d'apprentissage en continu, pour pouvoir s'adapter en permanence et de façon automatique, même au comportement des fraudeurs et pour limiter la fraude. Un deuxième exemple, qui aujourd'hui est encore au niveau d'un POC, c'est étudier le comportement. Étudier dans quelle mesure un client d'un prêt immobilier peut être amené à vouloir renégocier son prêt pour pouvoir cibler les démarches commerciales intéressantes pour lui pour qu'il reste fidélisé. Troisième exemple, toujours dans le domaine de la banque et de l'assurance, c'est d'essayer de pouvoir analyser plus finement et avec son accord les données de vie d'un client pour pouvoir en dehors des règles extrêmement strictes et qui souvent ne sont plus adaptées à la pratique quotidienne et le type de contrat ou de job pour les gens aujourd'hui, pour pouvoir améliorer finalement les conditions d'accès à un prêt, par exemple un prêt à la consommation, tout en maîtrisant le niveau de risque. Et dernier exemple, mais qui occupe aujourd'hui une part extrêmement importante de notre activité, c'est le domaine de la logistique, avec en particulier l'aspect prévision. Donc on a aujourd'hui un système qui est déployé ces jours-ci au sein de toute l'infrastructure de la gestion des colis en France, qui va nous permettre de prévoir combien de colis vont arriver chaque jour, des horizons différents, on prévoit 6 mois à l'avance, c'est un certain niveau de précision, et puis 2 jours à l'avance, c'est plus de précision, bien sûr. Le nombre de colis qui va arriver sur chaque plateforme en fonction du passé, en fonction des événements extérieurs, de la météo, etc., etc. Et aussi, bien sûr, le nombre de colis qui va arriver dans chaque bureau de poste pour la distribution finale. Voilà. Et on obtient aujourd'hui avec mon système des prévisions qui, suivant, je dirais, la qualité des prévisions humaines qui étaient faites auparavant sont de 10 à 20% plus précises. Voilà, juste pour finir la scène, pour résumer un peu le pourquoi la Poste a racheté ProbaYes et quel est l'intérêt, c'est de se dire aujourd'hui, ces nouvelles technologies dont on parle depuis 2 jours sont des choses qui, non seulement sont importantes pour nous, mais qui deviennent complètement dans le cœur de nos métiers. Que le cœur du métier de la Poste, même s'il y a 500 ans, c'était que du courrier et papier, ça reste de gérer la donnée. Et en fait, ces technologies-là deviennent vraiment au cœur de notre métier.
Et si non seulement on ne les utilise pas, mais surtout si on ne les domine pas, si on n'est pas acteur dans ce domaine-là, en fait, on risque véritablement de perdre d'un point de vue compétitivité, de perdre de l'indépendance dans ce qu'on fait, c'est-à-dire d'être pieds et poings liés avec des fournisseurs d'outils, avec des grands groupes qui vont nous fournir leurs algorithmes, etc. Et en plus, d'engendrer finalement, à partir de là, une perte de confiance et de lien avec les usagers. Donc c'est pour ça que, à sa toute petite échelle, l'intégration dans le ProbaYes dans le groupe La Poste essaye de répondre à ce problème, c'est-à-dire de dire, on va effectivement, alors que ce n'est pas a priori le métier de départ de La Poste d'être développeur de technologies logicielles et de faire de la recherche sur les technologies logicielles, mais on va le faire, on va valoriser à travers un marché en dehors de La Poste, et pour être capable de véritablement maîtriser ces technologies. Voilà, je vous remercie.